Parce que j'avais un confrère au Ritz, j'ai passé 6 années, il m'a dit, mon gars, faut que tu bouges, faut que tu partes. Donc c'était un peu une vexation au départ parce que j'avais du mal à comprendre pourquoi il me disait de partir, alors que je pense que j'étais compétent, que j'avais été l'employé modèle. Et donc il m'a envoyé à la Marée, il m'a envoyé à la Tour d'Argent, il m'a fait faire un peu le tour de Paris avec différents chefs, différentes visions, différentes façons d'appréhender le produit. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Parce que tout ce que j'avais appris en quelque sorte, du jour au lendemain, disparaissait et j'apprenais autre chose. Il fallait quelqu'un qui traitait une carotte différemment. Tout ce qu'on m'a expliqué sur la carotte, la vision de M. Leguet, de M. Conjoint sur la carotte, il y avait M. Martinez ou M. Rouillard qui la voyaient différente. Et je me rendais compte que c'était pas mal non plus, quoi. Et je crois que ça m'a énormément aidé pour le reste de ma vie à me dire, on n'a pas toujours raison, voire on n'a jamais raison. On a juste raison pour soi-même.